serez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui avec une voix cassée, les amis. Je suis désolée. C'est très pénible d'avoir la voix cassée comme je l'ai là. Et bah voilà. Une fois par an, ça m'arrive. Et depuis hier en après-midi, j'ai la voix totalement cassée. J'espère que ça va pas être insupportable à écouter. Alors Mila est ici. Il faut que je vous parle d'un truc. J'ai été contactée dernièrement par Lingo Kids, qui est une application en fait pour apprendre l'anglais aux enfants. Donc si ça vous intéresse, sachez que je vous mets un lien en barre d'infos pour tester l'application un mois gratuitement. Donc vous ne paierez absolument rien. Et ensuite, ça fonctionne avec un abonnement mensuel. Donc vous pouvez reprendre mois par mois si ça vous intéresse. C'est destiné aux enfants de 2 à 8 ans. Et l'application est vraiment hyper ludique et amusante pour les enfants. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est pas un truc où les enfants s'ennuient. Mila, qui aime beaucoup aller sur le téléphone, vous le savez, et on essaie de, voilà, qu'elle y aille pas trop souvent non plus. Là, pour le coup, c'est une application avec laquelle elle apprend l'anglais en s'amusant vraiment, parce que c'est des jeux, des histoires, des chansons, enfin bref, c'est vraiment bien fait. Sachant que Mila, je lui ai donné cette appli il y a une semaine, quelque chose comme ça, et elle est déjà au niveau 4 alors qu'elle va pas super souvent sur le téléphone. Finalement, je lui donne pas trop souvent. On dit souvent qu'au niveau d'apprentissage, 20 minutes pour un enfant, pour lui retenir, pour être appliqué, etc., c'est voilà, c'est le maximum. Donc à l'âge qu'elle a, je la laisse 20 minutes sur l'appli pour elle faire les jeux, etc. Elle apprend plein de trucs, elle apprend même à prononcer les lettres, à prononcer les mots. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette application, surtout que Mila, elle aime beaucoup tout ce qui est anglais. Elle est toujours en train de nous demander comment on dit telle chose, etc. Elle aime beaucoup. Donc c'est vraiment l'application parfaite pour ça. Tu nous montres comment ça fonctionne? Ah, et quand on réussit quelque chose, on a un cadeau qui apparaît à chaque fois. Et qui répète, ouais, qui répète le mot. Regarde ce que j'ai fait. Mais franchement, Mila s'y connaît mieux que moi, parce que pour le coup... C'est vraiment... Moi j'ai regardé le début de l'application, mais elle, elle a vraiment... Elle joue avec depuis un moment. Voilà. Comment on dit? Tree. Tree. C'est bien, mon amour. Alors, des fois, vous avez même un prof qui vous explique une petite leçon, mais c'est hyper rapide. Des fois, c'est des chansons. Là, je pense que c'est une chanson. Et du coup, c'est les enfants qui choisissent vraiment comment ils avancent dans l'appli. Donc, ça fonctionne vraiment selon le niveau de l'enfant. Là, on a avec la teacher. One, two, three, bananas. Là, vous avez la carte d'apprentissage. Et là, ça vous montre ce qu'elle a déjà fait. Donc, elle a déjà fait les fruits, elle a fait une partie de la nature. Et du coup, l'application ne parle qu'en anglais. Donc, ça, je trouve ça bien aussi. Parce que du coup, pour évoluer, elle est obligée d'écouter de l'anglais. C'est pas quelqu'un qui vous parle en français, qui vous dit en anglais, on dit comme ça. C'est vraiment le visuel va avec ce qui est dit. Et ce qui est dit est toujours en anglais. Donc, je trouve ça vraiment bien. Mila arrive déjà quasiment à dire toutes les couleurs, à dire les premiers chiffres. Je trouve que c'est une super alternative à tout ce qui est cours, etc. Pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Au moins, elle a envie. Je veux dire, ce serait vraiment des cours particuliers, etc. Je suis pas sûre que Mila aurait très envie. Hein, vous voyez un peu. Clairement, moi à la base, je voulais mettre Mila dans des cours d'anglais. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Ça et la musique, c'est deux choses que je voudrais lui faire faire. Mais c'est vrai que finalement, bah, ça vous fait économiser et de l'argent en des cours particuliers ou autres. Et puis ça vous fait économiser du temps surtout. Parce que moi actuellement, j'ai pas trop le temps d'aller l'amener, etc. À des cours. Je le ferai sûrement, mais plus tard. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, j'ai un lien qui vous offre un mois gratuit pour tester l'application, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli et à tester. Je vous mets ça tout en haut de la barre d'infos comme d'habitude, et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez. Je vais essayer de réactiver les commentaires ASAP, comme on dit. As soon as possible. À part ça, aujourd'hui j'ai un peu de rangement à faire. J'espère que Baby Owen va me laisser un petit peu faire tout ça. Et il y a ma mère qui vient aujourd'hui. Donc Mila est toute contente, elle l'attend aussi. C'est pour ça qu'elle patiente un peu sur son appli. Elle va arriver là, donc Mila est sur contente. Et Alex, lui, va sûrement continuer à bosser dans le sous-sol. Pas du tout, je me suis habillée comme ça pour promener la poussette parce que... Les bords sont coupants, donc je préfère mettre dans la salle. Quelquefois que je me roule sur le pied, j'ai mis des chaussures de sécurité. En même temps, j'ai mis des Converse. Voilà, je promène le bébé. Est-ce qu'il dort? Il vient de se réveiller à l'instant. Oh. Regardez, on le met sur le côté de sa bosse pour que ça ne soit pas du côté plat. Ouais, pour que ça se remette, parce que c'est du coup le truc où c'est devenu un peu une bosse, c'est ici derrière. Mais il est tout sage, ce petit cœur d'amour. Sinon, je m'entraîne pour le 250 mètres moonwalk en poussette. T'es bête. Je vous reprends plus tard avec ce petit chouchou, regardez, qui est tout éveillé.
Vers 16h, il a toujours sa période d'éveil où il est tout éveillé. Bon, là, il est en train de s'énerver. Bon, une tétée n'attend pas. Alors, plus la journée avance, moins j'ai de voix. Je pense vraiment que je pourrais pas finir la journée. Et le pire, c'est que comme j'allaite, bah, y a plein de médicaments que je peux pas prendre. Donc, c'est un peu la galère pour le coup. J'ai reçu quelque chose pour Owen et un petit cadeau pour Mila. Je vais vous les montrer, c'est vraiment trop mignon. C'est le site La Jungle du Prince qui m'a envoyé tout ça. Et en fait, on a fait un portique en collab. Donc un portique pour bébé, pour que bébé joue, un portique d'éveil tout simplement, en collab, et du coup elle l'a appelé Owen. Donc si vous voulez retrouver ce portique, je vous mettrai en barre d'infos, sachez que voilà, ça porte le nom d'Owen, parce qu'on a regardé un petit peu ensemble ce qu'on pouvait mettre sur le portique, il est trop beau, voilà, j'ai choisi en fonction de mes goûts à moi. Et elle m'a envoyé des petits jouets en bois pour Mila qui sont trop mignons, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez tout retrouver. Je vous montre ça et je suis vraiment désolée pour ma voix, mais je suis au bout de ma vie là, j'en peux plus. Et donc le voici, voilà, c'est un portique tout en bois, il est vraiment très beau. C'est une super qualité hein, pour celles qui se demanderaient, c'est du bois tout lisse, vraiment très joli. Et voilà les petits personnages que j'ai choisis. On a mis Owen tout à l'heure en dessous, j'essaierai de vous remontrer demain ou autre. Vous allez voir, il fait un blocage sur ce personnage, je sais pas pourquoi. C'est trop mignon. Celui-ci qui est mon préféré, c'est un petit cheval, il est vraiment trop canon. C'est vraiment très 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 joli, d'une très bonne qualité. Ensuite il y a la petite feuille avec les boules. J'ai vraiment plus de voix là, j'en peux plus. Le hibou qui est trop canon et une petite étoile blanche. Et donc ça c'est le portique Owen qui est trop canon et qu'Owen aime beaucoup. Donc je vous montrerai quand on le remettra pour jouer. On l'a mis tout à l'heure mais là je vous avoue que je laisse un petit peu à ma mère qui est pas venue à la maison depuis quelques temps. Et qui aime beaucoup s'occuper des bébés, donc voilà. Et pour Mila, du coup, je lui ai pas encore fait ouvrir, vu qu'elle passe la journée avec ma mère, mais elle m'a envoyé ça, et c'est une super marque de jouets, donc on va ouvrir ça pour regarder un peu à quoi ça ressemble, c'est trop mignon, je connais beaucoup cette... Alors c'est tellement canon, vous avez la petite bouteille de lait, donc c'est tout en bois à chaque fois. L'œuf qui s'ouvre, bien sûr, avec le jaune, c'est terrible. Ça, c'est la petite cuillère, vous avez le petit truc à mettre dans le... Dans le robot mixeur, c'est trop mignon franchement. Elle avait pas encore de petits robots comme ça, c'est trop mignon. Et vous avez, je pense que ça représente un sac de farine, etc. Enfin, bref, c'est vraiment trop canon. Petit jouet pastel en bois, trop trop mimi. Si un de ces articles vous intéresse ou même d'autres choses dans le même genre, sachez que le site propose vraiment des très jolies choses. C'est une copine à moi qui tient ce site. Et elle m'a donné un bon de réduction qui est Baby Chou, il me semble. Mais je vous mettrai en barre d'infos avec le lien de son site qui vous offre moins 10% sur tout le site internet. Ils ont des trucs vraiment très 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 mignons. Rien que ça, c'est vraiment très joli. Quoi. Bon, du coup, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai un peu les bras... plus libre, Alex bosse comme un acharné dans le sous-sol. Donc là, le sous-sol est presque fini de carreler. Enfin là, ce qu'on voulait carreler est presque terminé. Et je pense que je vais essayer de vous montrer tout ça. On va avoir une chouette buanderie. Ça va être bien plus propre qu'avant et je suis bien contente. Pour ma voix, c'est horrible. En plus, je fais des efforts de ouf pour vous parler. Parce que de base, vraiment, j'ai plus de voix. J'ai bu du lait, j'ai mangé du miel juste avant de vous reprendre en vidéo. C'est horrible, quoi. J'en peux plus. Bon, voilà, Alex... On a eu le carrelage, sachant que le beau-frère d'Alex est venu l'aider plusieurs fois. Mais ça a bien avancé. Par contre, le mur, il a l'air dans un état, là. C'est parce qu'il est un peu humide. Il faut que je regarde un truc, il y a un tuyau en fer. Parce que, regardez, ce qu'on a trouvé, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Ah oui. Ça fait un peu peur, hein, quand même. Hein. Bah, il y a 3000 litres d'eau. Il y a 3 mètres cubes. Donc, en gros, ça fait 1 mètre de profondeur sur 1 mètre de large et 3 mètres de long. Ah ouais. Et regarde comment elle est claire l'eau. Ah, on savait pas qu'on avait. On savait pas qu'il y avait ça en fait. Là. Ah ouais, c'est tout transparent. Ah, c'est fou. Et du coup, Alex dit qu'il va mettre des filtres, une pompe, etc. pour les machines à laver. Les machines à laver. Vu que les machines, bah, elles sont ici. Faites pas attention, hein, y a un bazar sans nom dans cette pièce. Et donc, quand là, ça va être fini, ça va être vraiment nickel. Il y a la gouttière qui passe. Ah. Et elle est dans un tuyau en métal qui est incorporé dans le mur. D'accord. Et moi je vais faire en sorte que ça aille directement dans le truc. Parce que là il va falloir mettre de la peinture spéciale, etc. du coup. Ouais, je vais mettre une couche de glycéro, ça fait bien barrage, ça sert de fond difficile, il n'y a rien de mieux que la glycéro, là, la peinture de la laque, comme t'appelles ça. Ouais. Marche pas sur le premier, il n'est pas fait celui-là. D'accord. Et d'abord je vais sécher un peu. Parce qu'il y a tout un tas de conneries devant, etc. Je vais faire ça, on va tout repeindre, on va refaire un vrai plafond. Ouais. Et ça va être la salle de muscu. Et l'atelier, bah, je vais vous montrer l'atelier. Bah, là ça commence à avancer. De rien, j'ai mis l'évier. Ah oui, j'avais pas vu.
Alex s'est fait un truc avec un plan de travail pour faire comme un établi. C'est pas mal. Ah, et t'as rangé les... t'as rangé tous tes outils. Je me demandais si c'était bien des trucs pour ranger les outils l'autre jour. J'ai commencé à... C'est chouette. T'avais acheté ça chez Lidl, c'est ça? Ouais, j'ai payé que dalle. C'est vachement bien. J'ai dû rajouter des crochets parce que j'en avais plus. J'ai pas mal d'outils à la con. Trop cool. Et là, il y a une des motos. Là. Cette petite belle, cette belle. Je l'ai déjà montré, j'ai montré. J'aime trop celle-là, c'est la vieille. Je dirais pas qu'elle a 15 ans comme ça. Hein. Ah bah non, je dirais qu'elle est neuve. Je fais pas de différence avec l'autre, moi. Bah déjà, tu serais dessus, tu es 15 kilos de moins. Ça, ouais, à peu près 15 kilos en moins. L'autre est plus légère. Non, 15 kilos plus lourd. Ah, je pensais qu'avec 15 ans d'écart, 10 ans d'écart, ils avaient évolué et qu'ils avaient des bécanes moins lourdes. Le moteur est beaucoup plus lourd. Ah bon? Les mecs, ils sont pas très au taquet, les trucs, elles pourraient être légers maintenant. Mais c'est bien, franchement. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est vrai que c'est chouette. Pour un mec qui fait de la moto, c'est vrai que c'est cool d'avoir une pièce comme ça. C'est cool. Ce sera bien quand on sera rangé, quoi, parce que là... T'endors ton bébé aussi, toi. Alors pour ceux que ça intéresse, la déco un peu bleu, azur, etc. Sachez qu'on a trouvé ça chez Action pour genre 6€. Et ils sont vraiment super jolis. Il y a plein de tailles différentes. Et moi qui veux faire ce genre de déco sur la terrasse, franchement, ça vaut trop le coup au niveau des prix. J'en ai acheté chez Maison du Monde et franchement, j'ai payé beaucoup plus cher. Donc ils sont peut-être moins bien finis à l'intérieur et tout ça, mais je m'en fous parce que c'est pour mettre des plantes. Donc clairement, on verra plus et c'est des vrais pots en terre. Donc je trouve ça vachement intéressant. Coucou, je vous reprends. Papa est parti chercher un pyjama pour débarbouiller ce petit choupinou et le mettre en pyjama. Et après, on va faire un gros toutou. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Je compte sur vous pour le liker. Et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog.